Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, dans l'épisode 4 de l'ombre de la guerre, ici sur Fantao Games, pour la beauté de la forme avec un talion toujours aussi sexué. Oh là 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 là. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 4 lors du dernier playthrough. L'épisode 4 était celui où on avait une espèce de challenge. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un challenge où il fallait que j'atteigne 100 de combo avec sur la musique All We Need Is Blood, et il a fallu que j'exécute 50 orques les uns à la suite des autres. Ça avait pris un temps fou, mais on s'était éclaté. Ce coup-ci, malheureusement, nous n'avons pas encore ce challenge, mais on va quand même trouver le moyen de s'amuser aussi, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de partir à la chasse au mini Biniou. Bob et la suite de l'histoire et tout ça. On m'a dit Bob, prends des levels avant d'aller dans la zone suivante, sinon tu vas vraiment t'en prendre plein la bouche. Et du coup, afin d'éviter de m'en prendre... Non mais je peux aller là aussi. Je peux aller à Osgiliath. Oh. Ancienne capitale du Gondor, Osgiliath fut aussi un point de traversée stratégique sur l'Anduin. Du fait de la guerre et d'une épidémie, la cité tomba en ruine au début du Troisième Âge. C'est incroyable. Cool. Bon. Du coup, tout ceci ne nous informe pas des masses, et j'ai l'intention de partir à la chasse aux Biniou. Donc, chassons les Biniou et allons voir un petit peu les souvenirs de Miss Arachné. Et voir si c'est un souvenir où elle est sur ses chiottes en train de pondre des œufs. Parce que c'est ce que font les femmes arachnées, hein, pour des raisons évidentes. Voyons voir. J'ai traversé les plaines et les déserts. Les pierres de Gorgoroth. Les champs de Nourne. J'y ai laissé des parties de moi-même dont je n'avais plus l'usage. J'en ai perdu d'autres. C'est ainsi que j'ai choisi. Oh. C'est tout? C'est tout? On a juste une image de photo Tinder? On a juste un Snapchat? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon bah c'est pas grave. Écoute, Papa Brachant, j'imagine c'est peut-être comme dans Assassin's Creed 2 où il faut y en récupérer 160 pour que ça fasse un film cohérent, mais la toile du destin. Rrr. Bon. Eh bah écoute, on en a un. Pas les masques qu'elle porte. Ne l'oublie pas, Talion. En plus, ça me donne de l'argent et j'ai tout gagné. Je sais pas ce qui roule dans le coin, mais je veux sa mort. Et si c'était un rôdeur qui rôdait dans le coin, n'est-ce pas? Oui. Tac 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 tac. Waouh! Putain, je me suis pris une bombe. Tac 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 tac. Je te tiens. Tu vas m'avouer tous tes secrets. Allez. Soumets-toi au pagne! Je veux des renseignements sur mon ennemi juré, un orque que j'ai bien l'intention de recruter, Bubol l'Inflexible. Alors voyons voir. Cible tendre. Ah, il n'aime pas les arcs. Les attaques des bêtes. Ah ah. Devient hébété face au poison. Peut-être blessé par des exécutions, par des explosions, par des attaques furtives. Ah, intéressant, intéressant. Cependant, moi, regardez, il a même une hache dans la tête, il est trop mignon. Moi, je le veux dans mon équipe. Cet orque et son honneur. Aou, aou, aou. Il me fait tirer dessus, pourquoi ça m'explose dessus? Un mérite de brûler. Bon. J'en profite. Et voilà. Ok. Chasse au Caragor. Un capitaine ennemi mène une chasse au Caragor. Récompense plein d'XP. Oh oh. Il chasse les poupées. Si cette bête sent notre odeur, tout le plan tombera à l'eau. C'est toi, Raclure. C'est mort. La peur monte en toi. Antonin. Poupée, orque et Antonin. Je vais dévisérer un poupal. Excusez-moi, dos de bête. Zouap. C'est pas la proie qu'on cherchait, mais il faudra bien s'en contenter. Je m'en contenterai. C'est
Soumets-toi! Non, soumets-toi, j'ai dit! Voilà, ça y est, il est soumis! Go! Arrière! Yeah. Il faut deux éliminations à exécution à haute dose de bête. Et ça en fait une. Mange-le, mange-le! Dévorez-les tous! Yeah. Oh, il est mort, j'imagine. Tac, 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 tac! Go, go, go! Ça compte? C'est bon, ça compte! Allume le feu de Roubrac! Allez! Il est mort? Ou mon Caragor est mort? Élimination et exécution à d'autres bêtes. Grom le forgeur a réussi sa chasse. Ah, c'est parce que mon Caragor est mort! Bon, très bien! Mais c'est pas parce qu'il a réussi sa chasse et fait bugger le jeu! Ça mais il bourre les autres là, hé! Oh mais la vache! Allez! Bienvenue pour une raclée dans tout le sou! La rage elfique, c'est parti! Saï, 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 saï! 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 Oulia! Il a réussi sa chasse et augmenté son prestige. Malheureusement, c'était inutile. Oh là là, mais il me sauce! Qu'est-ce que c'est que ces arbalètes qui saucent à l'infini? Ah, putain! Je traîne le rat. J'ai drainé un rat. J'ai bu l'âme d'un rat. Deuxième sauce? Deuxième sauce! Ok, tout va bien. Alors j'ai une question, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une bannière de guerre. Ah ouais, 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 ouais. Snack. Aou. Aou. Je me fais enchaîner à l'infini. Wainam, 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 wainam. Aou. Oh là 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 là. Ils sont un poil nombreux. Ils sont un poil nombreux et surtout ça ne sert plus à rien. Donc on va prendre la clé des champs, la poudre des scampettes, plus connue sous le nom de la fuite. Oh là là, c'est stylé. Ah, ton âme tombe bien. J'ajouterai en disant que tu tombes à pic. Impeccable. Artefact gondorien. Ah bah super. Artefact gondorien. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Chaque cité du Gondor est souveraine en matière de justice, sauf dans les affaires les plus importantes. Et j'ai toujours vu les questions légales être réglées à Minas Ithil. Quand j'étais petite, je me souviens que mon père s'occupait principalement de trancher les litiges commerciaux. Puis les orques sont arrivés. Et les questions de justice ont laissé place aux questions de survie. Hein. En tout cas, c'est un éventail qui est assez métal, hein, faut le dire. Bon, bah ça s'est récupéré. Un marteau. Étrange symbole pour la justice. Qu'est-ce que la justice? Sinon un marteau frappant le clou à rebond. Donne-moi tes infos! Excellent. Raté. Oh, il chute. Et c'est de l'XP à l'infini, hein. S'il continue de monter comme ça, moi ça me dérange pas, hein. Oh, attends, il a un... Ismos. Ah, assassin, tribu mystique. À l'épreuve du poison, enragé par les blessures mortelles, c'est un assassin, il est agile. Oh. Lancé de couteau, il a la lame mystique et c'est un guerrier en première ligne. Là qui est ennuyeux. Bam!
en a payé deux. Donc là, il va me chercher. Le sang va couler pour ça. Il est en train de monter, je pense. Il est de retour. Voilà. Tuez cet immonde humain. Oui, ça vous suit. Et ça vous suit. Bon, écoute. Parce que là, on va bourrer. On va bourrer jusqu'à ce que tout le monde tombe, comme dans Hamlet. Aïe, aïe, aïe. Bouclier, voilà. Impeccable. Le ménage a été légèrement fait. Bon, je peux lui faire des dégâts d'une manière intelligente. Tac. Je peux bien lui mettre des balles comme ça, mais tac. Mais ça sert pas à grand chose en fait. Il veut pas monter ? Ça compte ? Ça compte. La prochaine fois, soldat de Shrak, tu n'auras pas autant de chance. Impeccable, il est en repli. Il a beaucoup de cicatrices sur lui quand même. Tac 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 tac. Stack. Ça compte pas. Comment ça compte pas? Comment ça compte pas? Y a pas de ça compte pas. Bam. Tac tac. Olé. Oula. Ça va. Putain, effectivement, il faut que je me défende contre trop en même temps. Zac. Il a bouffé. Un point de l'aptitude supplémentaire, c'est cool. Petite exécution instantanée. Boum, une flèche. Boum, deux flèches. Bloquez cette épée. Tac, mise au sol. Ah, il est pas mort. Ça a pas compté, putain, je suis dégoûté. Tac. Excusez-moi. Pardon. Non mais c'est problématique hein. C'est problématique s'ils ne veulent pas se décider à mourir. Je l'ai touché, super. J'ai eu de la veine. J'ai eu de la chance, j'aimerais récupérer l'objet s'il vous plaît. Si ça vous dérange pas. Je leur fais décidément pas assez de dégâts, c'est chaud. Allez, il faut mourir. Ouch. Quitte à prendre le hit, ça compte. Ouh là là. Ah, Antonin, Célestin. Aïe, 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 vous tombez bien. Vous tombez à point nommé, dirais-je. Oh la vache. Quelle situation. Ouh là là. Ouh là là. Ah putain, c'est pas lui que je voulais. C'est pas lui que je voulais absorber. Aïe. Allez, t'es à moi, personne me vise, c'est gratuit. C'est gratuit. Ah, j'ai dit deuxième sauce. Non, pas deuxième sauce. Est-ce que je vais pouvoir essayer de récupérer cette flèche? Est-ce qu'ils vont me foutre la paix? Ah, J'ai. Vous savez ce que ça veut dire? Si j'ai, ça veut dire on se casse. Ah, tir d'elfe, pas de tir d'elfe. C'est-à-dire il faut que tu meurs vite. À moi. À moi. Yes, yes, yes. À moi. Yes, yes, yes. Ça y est. J'ai tout. J'ai tout. On y va. Eh ben putain. Quand même, hein. Je veux pas dire, mais il me donne du mal. Hein. Oula. Vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. Regardez ce sale humain. Non, vous m'avez pas vu. Non, je vous jure, vous m'avez pas vu. Putain, mais c'est vachement loin. Chier, il va me repérer. Tu sais, ce que je déteste le plus chez les pourceaux d'humains, c'est leur arrogance. Ils se croient au-dessus de nous.
C'est ce qui me met hors de moi. Elfe, nain ou homme, ils se croient tous. Embuscade ! Attaque surprise ! Tac, 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 tac ! Je te tiens ! Accepte le nudisme ! Ok, très bien. Apparemment, il y a des actions qui sont en train de se faire, donc je connais marquer la cible. Capitaine inconnu, capitaine inconnu. Apparemment, il y en a qui s'exécutent entre eux, là. Mortellement vulnérable à la furtivité, ça, ce serait formidable. Adieu! Super. Écoute ce que ce malade de corbeau racontait l'autre jour. Oh, Shrak, je ne veux même pas savoir. Ok, on les laisse passer. Impeccable. Vous êtes face à l'ennemi en pleine bataille. Attaque surprise! Zoop! Ils l'ont tellement pas vu venir, celle-là. C'est tellement agréable de pouvoir faire ça, quand même. En fait, c'est un gentil brin d'endroit, regardez, on peut les faire tomber et tout. C'est pas mal, hein. Voilà, c'est pas mal. Ouch. Hop là. J'ai. Voilà. Plutôt efficace, hein. Alors, qui il y a ici? Il y a un homme qui donne des informations, on va continuer à boire son âme. Interrogation surprise! Ouais, bah écoute, donne-moi des infos, écoute. On prend le plus d'infos qu'il peut. Il n'en savait pas plus. Ah. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Le Gondor a déjà affronté le roi sorcier, qui rêve depuis de se venger de Minas Ithil. Cette pièce représente le vainqueur, Éärnur, dernier roi du Gondor. Il y a bien des siècles, Éärnur dirigeait une armée qui mit le roi sorcier en déroute et renvoya les troupes ennemies jusqu'en Angmar. Mais cette victoire perdit de son sens lorsque notre roi devint orgueilleux. Le roi sorcier défia Éärnur en combat singulier, et celui-ci partit vers l'est. Pour ne jamais revenir. Il faut une nation entière pour vaincre un mal de cette ampleur. Et non un seul homme. Ah, elle est quand même bien pourrie ta pièce, hein. Mais écoute, c'est stylé. Arrière ! Et Arnaud, vol ! Celui qui affronta le roi sorcier. Deux fois. Il n'a pas accompli sa mission la première fois. Sui! Oulier! Voilà! Oulier! En double parade, mise au sol grâce au Falcon Kick, petite poussée va prendre un bain. Très bien. Ok. Donc on a bien avancé, on a récupéré pas mal d'objets, on peut en récupérer un, deux, et Little Deal qui est sur la route. On va être bien là, on va être bien là. On peut même les rusher. Je pense qu'on va essayer de les rusher même. Attention. Début du rush. Oh ! Je crois que... Salut ! Zouap ! Zouap ! Il y a des bombes de partout, je sais pas pourquoi. Ouch ! Bien joué, bien joué, bien joué, l'arpon, bien joué. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout explose de partout. Alors je sais pas pourquoi ça explose et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Donc je sais que c'est de ma faute et que c'est moi qui suis débile. Mais à un moment il va bien falloir que ça rentre. Alors attends, il faut que je franchisse ce pont et c'est sur la gauche juste après. Très bien. Allons, hop, oulala, oulala, oulala.
Oh là! J'ai encore faim. Oh, Oh là 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 là! Le saliveux, Bubol l'inflexible. Mais Bubol l'inflexible, c'est mon main. Hein. Macule torsionnaire, très bien, très bien. Très bien. Note à soi-même, il faudrait que je débloque l'assassinat. Immobilisation, ça c'est bien. La brutalisation, voilà. L'assassinat féroce. Ça permettra de faciliter la prise de la prise d'objets ou tout le reste. Parce qu'au moins, l'orque que je vais assassiner va mourir. Et les gens qui l'entoureront vont s'enfuir. J'ai impeccable. Oh. Les orques sont obsédés par les anneaux, bien plus que par les pièces ou les autres bijoux de valeur égale. Ils en destituent immédiatement leurs prisonniers, mais nul ne sait vraiment ce qu'il advient de ces anneaux ensuite. Il est rare de voir des orques emportés. Bah oui, c'est marrant ça, qu'est-ce qu'ils en foutent? Est-ce que c'est leur monnaie? Est-ce qu'ils se les foutent dans les trous de nez? Merde alors! Un bel anneau, mais il me paraît ordinaire. Il ne mérite pas le même nom que l'anneau que nous avons créé. C'est sûr qu'il n'est pas unique celui-là. Interroger instantanément. C'est parti! Je te corrige! Oui! En mode BDSM! Pug la herse! Super! Explose! Oh! Ça te plaît? Parade! Trop tard! Tu n'auras pas pu le sauver! Waouh, waouh, y'a pas de couteau aussi, c'est bon. Y'a une épée, aïe aïe aïe. Boum. Super. Et à même pas 30 mètres, y'a un Itildin. Voyons voir. Ah ah. Yop. Hop là. Super, mémorisons-le. Alors. Hop. Foam. Foam? Moi j'ai lu hop, hein. Je sais pas vous, mais. Enfin, je sais même pas comment j'ai fait pour lire Hop, mais c'est mystique, hein, c'est un peu mystique ce jeu, je l'avoue. Interrogation surprise! Oh! La couleur du cheval blanc d'Henri IV! Zatra le miséricordieux. Il a pas l'air miséricordieux. Mais il a des cheveux assez stylés, il faut le dire. La peur des brûlures. Peur de la brutalité, oh! Très bien. Excellent. Youhop. Sop là. Parfait, parfait. Pour l'instant, on est parfaitement infiltré. On a réussi à récupérer pas mal de bonus. Le petit saut de caribou. Oh là 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 là. Cet homme vole. Cet homme plonge. Regardez l'agilité. L'agilité d'un elfe. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Oh là 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 là. C'est sublime. Ok, il est juste en dessous de nous, très bien. Arc. Alors apparemment on me dit qu'ils se suicident à cause de leur capacité mystique. La flèche rouge est l'un des symboles les plus précieux du Gondor, bien que peu de gens sachent précisément ce qu'il représente. Quand la situation est désespérée, nous pouvons présenter cette flèche aux hommes du Rohan, qui seront tenus par un ancien serment de se porter à notre secours. Nous aurions dû nous en servir au tout début du siège, mais
Les orques nous ont encerclés si vite. Et le Rohan est si loin. Hein ? Je me demande si les hommes du Rohan honoreraient cette flèche. Difficile à dire. Les hommes ont la mémoire courte, surtout en temps de crise. Bonjour ! Deuxième service. C'était ton cerveau gauche, le cerveau droit maintenant. Impeccable. Formidable, d'une efficacité hors du commun, y a pas d'alarme. Là y a un ennemi, là y a un ennemi, là y a un ennemi. Y a beaucoup de capitaines ennemis situés au même endroit, braves gens. Et en plus là c'est une zone bleue, je sais pas ce que veut dire la zone bleue. En tout cas, il y a un Etheldin, juste par ici. Est-ce qu'on peut se téléporter? Ah, on peut se téléporter. Donc on gagnerait un temps fou. En même temps je pourrais les buter tous les trois. Hein. Je pourrais me sentir fort. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Impeccable. Putain, j'ai monté haut vite hein, quand même. Super, où sont-ils ? Ashgard, ne le tordu, à l'épreuve des flèches. Je ne connais pas ses faiblesses. Sans doute l'assassinat instantané. Aucun moyen par contre d'accéder là-bas directement. Deux orques au sol ici. Et là il y en a un autre. Bolg. Bolg le voyant. Les attaques de bêtes lui font beaucoup de dégâts. Il peut être blessé par la distance, par les exécutions et par les explosions. Soup ! J'ai pas réussi à sauter assez loin. C'est pas. Oh là là, il a rien vu. Brutalisation ! Ah, ça lui a fait mal. Et il est mort, impeccable, mortellement brûlé. C'est allé vite. Ouch. Ce sont des berserkers, d'accord, ils sont énervés en fait. Super. Aou, 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 aou. Les cadavres qui explosent, il faut que je fasse attention à ça. Je me fais toujours avoir. Tous leurs cadavres explosent ou quoi? Toi, rends-moi ma barre de vie. Merci. Recommence. Excellent. La ville est à nous. Les hommes n'ont plus qu'à partir ou mourir. Tac, 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 tac. Au boulot. Hop là. On est monté tout en haut, braves gens, nous sommes prêts. Prêts à servir. Oh, prêts à faire des mouvements extrêmement stylés. Il est juste en dessous de nous. Oh, c'est un chef en plus. Arrête. Il peut pas tous nous battre. Si. On peut pas tous nous battre, si. Mais mon gars, j'y travaille. J'y travaille. Swap. Oh, les dégâts qu'il a bouffés. Écarlate. Oh, mon délice écarlate. Restons-en aux petites coupures pour prolonger notre plaisir à jamais. Il le dit tellement bien. Vulnérable à la furtivité, peur de la brutalité, peur des malédictions, tête fragile. Eh ben bien, bam. Et donc lui il va exploser. Ouch, bien joué. Esquive latéral gauche. J'ai. J'ai. J'ai tout. Oh. Selon mon père, une bannière a deux rôles au combat. Diriger et motiver. Au cœur de la bataille, on ne peut pas se perdre tant que l'on garde son drapeau en vue. Les orques ont peut-être décroché nos bannières,
Mais le drapeau du Gondor reste une source de motivation, même si je ne l'ai plus sous les yeux. Oh. Tant qu'il restera au moins un Gondorien en vie, l'arbre blanc se dressera fièrement. Tant qu'il restera Antonin en vie, l'arbre blanc du Gondor flottera éternellement. Antonin Gautier. Le drapeau de notre peuple. Longue vie à lui. Préoccupe-toi plutôt des tours sur lesquelles il flotte. Ah, j'ai plus de tir d'elfes. Ouch. C'est un problème. La situation commence à devenir très légèrement désespérée, vraiment. Ouh là là. J'ai pris ce qu'on appelle des risques. Oh, je n'en regrette aucun. Phew. Un ennemi donne l'alerte. Tout va bien. Localisez votre cible. Non merci. Par contre, il y a un Nidhilldin que je n'ai pas eu. Et qui est à 460 mètres. Mais si l'alerte est donnée dans cet avant-poste, ça va être compliqué de s'en infiltrer dans la discrétion. Zoop! Petit mouvement pivot latéral droit. Absorption d'une âme dans le dos. Ouh là là. Eh, mais un Caragor, c'est peut-être ce qu'il me faudrait pour pouvoir traverser toute cette zone sans vrai problème. Hop là. Attirer, se suspendre. Je peux pas attaquer le Caragor ou rien faire du tout. Non. Ah merde, il est en train de remonter et de redescendre à l'infini. Reviens là. Ah putain. Là j'ai dit. Sage. C'est bon. Nous avons donc un Caragor. Oh le Caragor. Trop agile. Suragile. Super. Avec ce moyen de transport, brave Jean. Voilà. C'est bien. Gentil poupée. Avec ce moyen de transport absolument fantastique. Oula. Attends, je l'ai bugué. J'ai l'impression d'avoir bugué. Oh ! Il y a quand même quelques problèmes ce jeu. Hein. Ils l'ont un peu rushé, j'ai l'impression, hein, en termes de. Ça ne te sauvera pas. Rien ne te sauvera de ce que j'ai prévu. Rien. Oh merde! C'est l'amateur de ghoul! Écoute. Zac! Et il est mort! Voilà qui devrait en démoraliser plus d'un. Débranlez tous! Nourris-toi! J'ai l'armure de rôdeur! J'y suis! Cassons-nous! Adieu, Nigo! Mémorisez! J'ai Pouillot! Oula! Pardon? Excusez-moi, pardon! Complètement désolé, toutes mes excuses, pardon! Boum! Plus de bouclier, ça veut dire que le mec est ouvert, ça veut dire que tout est gratuit ici, aïe, tout est gratuit dans cette ville. Oh là, esquive, pivot latéral droit, mouvement rotatif gauche, exécution, oh là là, maître, aïe, c'était pas prévu ça, c'est de la triche. Tac. Le tar qui t'emmerde. Toi et tous les autres. Boum.
J'en ai tué... Oh putain, j'en ai tué deux d'un coup et ils ont looté au même endroit. Il y a beaucoup de loot d'ailleurs là, à propos en parler. Ouch, 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 ouch. Ça fait beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés sous-jacentes. Ah, mais c'était un piège. Si. Je suis partout et nulle part à la fois. J'y suis. Allez, barrez-vous. Ces objets sont à moi. Oulia. Ah la vache, j'en prends tellement plein la gueule, brave Jean. Vous imaginez même pas tout ce que Lennon prend pour vous. Et pourtant, regardez tous les objets qu'il loot. Tous ces objets de loot absolument infinis. Écoutez, on va changer de stratégie. Venez, 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 venez. J'ai 4 tirs. Ah, super. Ce baril, il tombe à pic. Il tombe, comme on pourrait dire, à point nommé. Déjà, toi, tu te calmes. T'as raté. Toi, ensuite, tu me respectes. Il me reste un tir. C'est le tir de l'espoir du caribou. Ah, putain. Bien joué. Allons donc récupérer ce loot. Je veux dire, ce loot est à nous. Il est à nous en toute bonne justice. En toute bonne foi. Par contre, pour le récupérer ça, comment on va faire ça? On va essayer de pas se faire repérer. Je sais pas qui m'a vu. Tac. Tac. Et voilà. Je suis dans le buisson, je suis invisible. Laissez-moi absorber les âmes. Oh putain, j'ai tout. Oh, j'ai tout, les enfants. Alors, c'est ça. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est glorieux. On aura quand même fait une bonne partie de la ville. Et j'aimerais au moins arriver jusqu'à la moitié, chers amis. Au moins arriver jusqu'à la moitié et puis avancer un peu dans l'histoire. Mais comme ça, on aura récupéré pas mal de merdiers. Même si, ils sont solides. Hein. Oh, vraiment, je suis content qu'ils aient fait une suite qui soit digne du premier. Où la difficulté reprenne directement à la fin du premier, tu vois ce que je veux dire. C'est rien du tout. Eh merde. Eh merde. Personne d'important. Très bien. Bon. Comme vous pouvez le voir, je suis protégé par ce qu'on appelle un buisson. Ce buisson est très important. Oulia. Parce qu'il me permet de faire un maximum d'XP. Sans devoir forcément réfléchir à la conséquence. Bonjour.
sans devoir forcément réfléchir à la conséquence de mes actes, ou de mes actions, ou de mes exactions. Double Soros. Pec, 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 je le vois. Je mémorise. Amartad. Psychopika, c'est ce que j'ai lu. Mais Amartad, si tu veux. Attendez. Je sens quelque chose. Merde, il m'a senti. Là, il y avait un rat. C'est bon, j'ai bu l'âme du rat. Regardez, le rondeur. Exécution instantanée. Flèche dans la tête. Tu crois que tous les présages parlent le corps. Personne ne s'est rendu compte de rien. Personne n'a rien réalisé pour l'instant. Nous allons nous déplacer avec ces orques. On va essayer de faire semblant qu'on est leurs amis. Hop, 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 hop. Voilà. C'est une infiltration à l'Assassin's Creed. Oh no ! Zui ! Zui ! Zui ! Zui ! Zui ! Zui ! Excusez-moi, je parle à ton ami. Zui ! Zui ! Zui ! Et voilà. Bah, il est mort tout seul. Et là, il y a un mec level 13. C'est toujours lui, c'est toujours lui. Épreuve des flèches, frénésie, classe dresseur, il est super balèze. Est-ce qu'on peut tenter de se le saucer? En plus, il y a des bait juste à côté de lui. BAM! Ouais, ça a dû le... Quelque chose a explosé. Tout explose, bien sûr, de manière... Hep, hep, hep. Gentil, là j'ai. Et j'ai un Karagor. Spam. Oh la vache. Le rôdeur vole et a des ailes. Mais à quel prix? Quel prix pour ceux qui l'entourent? Quel prix pour lui-même? Le temps est venu de payer cette dette. Les ailes de la mort battent, et ses yeux sont rivés droit sur toi. C'est bon, c'est mon tour. Et l'Éternel te regardera et t'amènera sur le fleuve de tes péchés impies et impurs pour te juger. Car seul lui peut apporter sa parole et le nudisme. Tac. C'est fini. Et tu t'agenouilleras devant lui, comme tous les autres. Hop là. Oh putain, Antonin. Oh la vache. Il est où? Je te vois. Tac. Tac. Allez. Il faut mourir maintenant. Il faut mourir. Il est mort. Eh ben putain, il m'a saucé mes deux animaux quand même. Oh, une super capuche de l'amour. Ouch, et un caillou. C'est bon. Fiu. Et on est juste à côté de l'objet, impeccable, on va pouvoir terminer là-dessus. Aujourd'hui, on aura bien récupéré du bordel. Où est l'objet? L'item, l'item, je cherche l'item. Je cherche l'item, j'ai dit... Ah, j'ai plus d'ab... Sui. Où est l'item? Il doit être au-dessus, je pense. Hein. C'est... C'est... Là, ça l'a pas poussé, hein. Ah, putain. Ça va faire mal.
la vache! Où suis-je? Les contes du Gondor regorgent de Drake. Les petits cousins des grands dragons qui sommeillent, dit-on, sous terre. Mais ici, au Mordor, j'en ai vu de mes propres yeux. À bonne distance, cependant. Et ils n'ont rien à voir avec ce qu'en disent les histoires. Ce sont des chasseurs ailés mortels, avides et cruels, qui se complaisent à torturer leur proie avant de la dévorer. Cette écaille, prise sur un cadavre de Drake que nous avons découvert dans la caverne d'un Grog, donne une idée de leur taille et de la puissance nécessaire pour faire voler un tel poids. Putain, c'est sûr que ça rigole pas, hein. On dirait une demi-grosse pomme de pin. Une écaille de Drake, ça peut faire un bouclier pour un enfant, c'est chaud. Donc disais-je, dans le milieu du merdier... Oui, parce que c'est l'ombre du merdier... Écaille de Drake ou de dragon? Sans doute un Drake. Les dragons entretiennent mieux leurs écailles. Parade! Soy... Wap! Tiens-toi tranquille! La vengeance! Oh! Bouffe ça! Youh! Victoire! Bon. Ça s'est bien passé. C'était quand même assez tendu, hein. J'ai failli crever comme un caca. On est pas mal, on a récupéré presque tous les objets. Il en reste encore un. Est-ce que je me prends le risque de la beauté d'aller en chercher un de plus? Ouais, je vais en chercher un de plus. Comme ça, c'est pas mal. On pourra même commencer l'épisode sur 1, 2, 3 et bam, on enchaîne l'histoire principale. Brave gens, courage! Courage! Nous avançons dans l'ombre de la guerre. Et en tout cas, le gameplay est ultra fun. Le nudisme est total. Oh, comment je l'ai bourré! Je l'ai bourré! Excuse-moi, Gilbert! Excuse-moi, Gilbert! Je suis désolé, Gilbert! Tu croyais que t'étais dans ta tour, Gilbert? Tu croyais que t'étais chez toi, Gilbert? Excuse-moi, Gilbert, je voulais pas te tromper! Bon, bah alors? Bah alors, Gilbert! Ouh là 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 là, Gilbert! Oh! Les vrais mouvements. Les vrais mouvements, les vrais mouvements, le vrai l'envol, l'envol du phénix. Oh, tac 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 tac, faut pas rester debout. Ouah, le mawashi guiri. La petite parade de l'amour, la roulade. Venez, venez, approchez, approchez. Olé, hola, uno, dos, maqué, tres. Ouais, tu simules. Voilà, c'était pour être sûr. Ouais. Je suis la mort incarnée. Et voici les outils de ta destruction. Ouais. Arrière. Les sauvages, ils comptent les attaques normales venant de l'avant. Étourdissez-les ou frappez-les par derrière. Very well. Puissance à un globe. Zouap. Allez. Je suis pas un simple soldat. Laisse tomber. Tac, tac. Tech. Allez. La rage de l'anneau. Ressens ma colère. Oulie. Oreno standoda. Magna. Pagne d'Azé. Ça c'est beau, ça tu vois, ça c'est un angle qui est absolument sublime, ça c'est beau. Oh là 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 là. Sur ce, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine, c'est ça qui est bon. Oh. Oh. Trop cool pour toi.